Et voilà. Là, je pense qu'on tient notre chanson. Qu'en dis-tu? C'est parfait. C'est vraiment une belle journée. Ciel bleu et soleil d'été. Il ne me manque que ton doux visage. Tout va beaucoup mieux quand tu es près de moi. Tu me consoles quand ça ne va pas. Tant de souvenirs de bonheur qu'à deux on partage. Je peux chanter ma chanson sans toi. Tout seul gagner des combats, vivre ma vie, oui, mais voilà. Tout va mieux quand tu es près de moi. Tout seul je peux me promener, flâner et prendre un café. Qu'importe ce que je fais, tu vois. Tout va mieux quand tu es près de moi. Tout va mieux quand tu es près de moi. Tout va mieux quand tu es près de moi. Avec toi, c'est la joie sans fin. On est comme les doigts de la main. On est bien ensemble comme des vrais amis. Ne reste pas là. Oh, tu as entendu? Qu'y a-t-il, Pistache? Tu as vu quelque chose? Allez, viens, mon grand. Bonsoir, Baba Hortensia, je te sers quelque chose? Oui, ta guitare. Ma guitare? Je me demandais si je pouvais te l'emprunter. Oui, bien entendu. Que veux-tu en faire? Je me disais que ce serait amusant d'apprendre à en jouer pour faire de la musique et peut-être même chanter. C'est sûr. D'ailleurs, Cerisette est un très bon professeur. Oh, je sais, mais je crois que je préfère commencer toute seule pour l'instant. Merci, Charlotte aux fraises. Il n'y a pas de quoi? Non, devenir une pop star va être plus difficile que je ne pensais. Je ne suis toujours pas sûre de comprendre. C'est très simple, Mimi Citron. Je cherche une coiffure qui soit... et bien qui soit à la mode. Ah, je vois. Que penses-tu de la coupe que je t'ai montrée tout à l'heure? Je voyais quelque chose de plus, disons, dans le genre... je ne sais pas, par exemple. Quelle coupe de cheveux a demandé Cerisette la dernière fois qu'elle est venue? C'était assez discret, alors que toi, tu cherches quelque chose de plus stylé et de moderne. Eh bien, imaginons que je ne sais pas, Cerisette, par exemple. Et je l'ai choisie complètement par hasard, bien sûr. Car j'aurais pu choisir quelqu'un d'autre. Oui, j'aurais pu citer Delia. Et les Caquinettes, ou les Quatre Baies, ou encore... tu vois quoi? Alors, imaginons que Cerisette, par exemple, ait prévu, disons, de chanter lors d'un concert. Est-ce que tu pourrais me faire la coupe qu'elle aurait pour l'occasion? Il faudrait d'abord que je lui demande. Oh non, ne fais pas ça. Je serais bien obligée, car ça dépendrait du lieu, du thème et... Est-ce que tu as d'autres magazines? Je suis désolée, Baba Hortensia, mais tu vas devoir reprendre rendez-vous. On a passé tout le temps à parler style de coiffure au lieu de te coiffer. Et Prunty a une manucure dans 2 minutes. Tu n'as qu'à emporter ces magazines et les feuilleter chez toi pour savoir ce qui t'irait le mieux. C'est justement ça le problème. Même le mieux ne sera pas assez bien. Oh, puisqu'il le faut... Bonjour Charlotte aux fraises. Où est Fleur d'oranger? Oh, elle avait une petite course à faire. Mais je suis contente de te voir, Prunty. Est-ce que tu as fini la chorégraphie des petits pépins? Non, pas encore, mais j'ai décidé que Fleur d'oranger et moi on présenterait la danse du lapinou pendant la parade. Mais les petits pépins ont besoin de... Fleur d'oranger n'est pas là, j'ai besoin de toi pour essayer ma nouvelle chorégraphie. Oh bien, ce serait avec plaisir. Mais j'ai déjà promis à Fleur d'oranger de réorganiser ses boîtes. Ce n'est pas grave, tu peux très bien faire les deux en même temps. Allez, viens, Charlotte. Maintenant à gauche, à droite, à gauche, et deux, et trois, et quatre. Oh,
étrange comportement. Entre, Baba Hortensia. On répète la chorégraphie pour la parade. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, en tout cas, une chose est sûre, ça rebondit. Puisqu'on parle de la parade, as-tu tracé la route par laquelle elle passera? Non, pas tout à fait. J'ai passé des heures à chercher mon stylomatique magique 3000 fluorescent. Mais ensuite, je me suis souvenue que quelqu'un me l'avait emprunté. Oups! Oui, c'est vrai. Je crois qu'il est quelque part dans ma chambre. Je suis sûre que Pointy ne l'a pas fait exprès. Mais du coup, j'ai dû me débrouiller avec un pauvre crayon ordinaire tout ce qu'il y a de plus banal. Alors forcément, ce n'est pas aussi joli que ce que j'aurais souhaité. J'aimerais que tu jettes un coup d'œil à ce plan pour me dire si c'est trop long. Pour le moment, je suis comme qui dirait un peu occupée à aider les filles. Peux-tu passer au salon de thé dans une heure et j'y jetterai un coup d'œil? Oh, mais ça ne te prendra qu'une seconde, ou disons une minute. Ça dépend si tu vis vite ou pas. D'accord alors. Étrange comportement. Moi aussi, c'est ce que j'ai dit. Charlotte! Désolée les amis, mais à cause de cette parade, je suis vraiment débordée. Je pourrais peut-être revenir un peu plus tard et vous donner un coup de main. Ou non, encore mieux, vous pourriez peut-être vous entraider toutes les trois. Non, moi j'ai du travail par-dessus la tête. Maintenant, je dois refaire ce plan entièrement, au crayon de bois. Et je trouve qu'il y a trop de pirouettes dans cette chorégraphie et pas assez de sous. Quant à ces fleurs, elles ne vont pas s'attacher toutes seules à la guirlande. Bon, très bien. Et 5, 6, 7 et 8. Tous ensemble, pas chacun de son côté. Oh, le rythme, gardez le rythme. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Mais non, mais pas sur la tête. Écoutez-moi, s'il vous plaît, vous avez tout faux. Non, vous saccagez ma chorégraphie. Oh, la compétition va bientôt commencer. C'est déjà l'heure. Oh non. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, je vous souhaite la bienvenue aux épreuves de la danse. Cette année encore, le ballet de Mégapomme et l'équipe de Fraisy Paradis vont rivaliser la messe pour notre plus grand plaisir. Nous confierons à notre très distingué jury le soin de désigner les vainqueurs. Et tout de suite, voici les charmantes danseuses du ballet de Mégapomme. Saluons la grâce exquise des danseuses du ballet de Mégapomme. Et à présent, quelques minutes d'entracte avant de laisser la place aux danseurs de Fraisy Paradis. Je vais déclarer forfait. On ne pourra jamais faire aussi bien qu'elle. Oh oui, je renonce. Je préfère m'éviter une nouvelle humiliation. Toi peut-être, mais as-tu pensé au petit pépin? Hein? Au petit pépin? As-tu pensé au public, au jury et à tous ceux qui ont aidé à organiser cette compétition? Mais... Et à tes amis qui ont appris ta chorégraphie? On a toutes travaillé très dur. Mais c'est moi qui serai ridicule. C'est possible. Mais le ridicule ne tue pas et cette compétition concerne tous les habitants de Fraisy Paradis et nos invités, les danseuses du ballet de Mégapomme. Pense aux autres, Pruntille. Les danseuses de Mégapomme sont venues de loin pour danser et pour nous voir danser également. Oui, mais on danse. On danse comme on danse. Les petits pépins ont du talent. Pourquoi ne les laisses-tu pas s'exprimer comme ils le souhaitent? Ce serait plus amusant pour eux. Tu as raison. Je reconnais que ça n'a pas dû être très drôle de travailler avec moi. Dites-moi, les petits pépins.
Qu'aimeriez-vous faire comme pas de danse si vous aviez le choix? Oh, la pyramide! Et puis la torpille! Des bonnes grenouilles! Des sauts périlleux arrière! Ce sont d'excellentes idées, ça mériterait qu'on les essaye. Qu'en dites-vous? Ah oui, on va le faire! Bon, alors allons-y! Oubliez tout ce que je vous ai appris et faites tout ce qu'il vous plaira. Et surtout, amusez-vous! Maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe de Fraisy Paradis. J'ai l'honneur de vous présenter Mademoiselle Prunetille et les petits pépins. Dans les figures, c'est un bonheur de vous voir danser avec autant d'exubérance. Oui, oui.